On va parler des différentes manières d'utiliser la Johnson Baby Oil. Sait-on jamais, vous pourriez apprendre deux ou trois petites choses à ce sujet. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est que la Johnson Baby Oil? Cette huile est relativement peu connue en France, contrairement aux États-Unis ou même en Angleterre, où elle est reconnue et appréciée depuis longtemps. Ou ses qualités hydratantes. Un petit plus à savoir, beaucoup de stars, que ce soit aux US ou même en Angleterre et quelques-unes en Europe, beaucoup en Afrique, se servent de ceci pour obtenir un joli glow sur leur corps. Je vous avais dit qu'on pouvait utiliser ceci pour la peau, pour donner instantanément un côté healthy à la peau, pour démaquiller les yeux, nourrir, hydrater ses cuticules de cheveux, mais aussi les traiter, hein, prévenir les cheveux secs, les fourches, sans parler des pellicules dans les cheveux, et même des cheveux cassants, des cheveux malades, bref. Comme le reste de votre corps, vos cuticules peuvent bénéficier des propriétés hydratantes de cette huile pour bébé. L'huile est idéale pour démêler les cheveux secs, prévenir les points de fourchure. Si vous avez des cheveux ou même votre cuir chevelu qui est très sec, mélangez dans un petit vase, comme vous pouvez le voir, une cuillère de dentifrice, 4 cuillères d'huile de Johnson pour bébé. Appliquez la mixture sur votre cuir chevelure. Ensuite, mouillez bien avec de l'eau. Vous allez voir que ça va mousser, c'est normal. Pour que ça touche toute la tête, toutes les couches de votre tête, c'est-à-dire de la peau du cuir chevelu jusqu'aux dernières mèches en haut. Laissez reposer pendant 20 minutes et puis shampouinez-vous bien les cheveux. Ça aura pour résultat une crinière digne des belles princesses de Disney pour votre fille, pour la mise, comme vous pouvez le voir. Mais pour moi, j'ai eu des cheveux revitalisés, brillants, renouvelés. Vous pouvez voir la différence, hein, entre le début et maintenant. Donc, dans cette vidéo, Eva et moi-même utilisons séparément cette recette, comme vous avez pu le constater sur nos cheveux. J'ai des cheveux courts, très secs, remplis de pellicules et surtout, ils sont très abîmés. Elle a des cheveux longs aussi secs, donc très abîmés aussi. Donc pour moi, franchement, à la fin, le résultat est tout simplement exceptionnel. Pareil pour elle, vous voyez que ses cheveux sont plus dissipés, plus brillants, plus beaux. Et pareil pour moi, hein, j'applique ça et en fait, ça se fait voir tout de suite. Donc voilà, je mets une cuillère de dentifrice pour moi. Donc pour moi, je mets une cuillère de dentifrice et 3 cuillères de Johnson's Oil. Et la mise fait pareil, sauf qu'elle rajoute un petit peu d'huile aux amandes et plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle adore ajouter. Elle fait sa recette, je fais la mienne. Ensuite, on met bien partout sur nos cheveux en prenant soin de faire mousser et de laisser poser 20 minutes. Enfin, on rince, comme vous voyez dans la vidéo, pour les permettre de rester bien nourris et ce très longtemps, pour qu'ils restent souples, hydratés, brillants. À la fin, une fois qu'on a bien lavé, bien séché les cheveux, on rajoute cette huile qui n'est pas grasse et pourtant qui fait très très vite pousser les cheveux. Ceci est absolument à tester à la maison, hein. Pareil, si vous avez les mains ou même les pieds très abîmés, additionnez une cuillère à thé de sucre, quelques gouttes d'huile de Johnson et frottez vos mains. Tadam! Elles seront très douces, débarrassées de leur peau morte. La même chose est possible pour exfolier le corps. Il suffira simplement de faire en plus grande quantité. Ça se trouve dans les boutiques africaines à 5 euros à peu près et à 2 euros sur Amazon. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé, likez, commentez et partagez pour que ça touche un maximum de personnes. Pensez aussi à vous abonner. Bisous, bisous!